Ça va pas pour ça. D'ailleurs, ça fait des jours et des semaines qu'il est dans le. La phrase, elle est marron. Salut à tous, on vient vous présenter le petit week-end qu'on a passé du 19 au 21 mai. Un week-end chargé en événements, il y en avait 4 exactement. On est parti au SG Sevens, au Bal du Droit, à l'Olympique Lyonnais et au TOS. Le SG Sevens, la finale du championnat de France universitaire à 7 de rugby. Qui a lieu à la Teste de Buch, à côté de la dune du Pilat. Premier événement déjà assez intense, on est parti à 3h du mat, on a pris la voiture, on est arrivé à 10h là-bas. À midi, il fallait qu'on reparte, donc 10h de route pour 2h sur place. Assez costaud. Du coup, ça a été un événement assez difficile, déjà physiquement, ça a été un peu dur. Ouais, et encore, toi, t'as pas conduit. Mais bon, toi, tu t'es pas tapé le film à faire dans la voiture. Deuxième événement, on était à l'Olympique Lyonnais pour préparer un partenariat avec l'OL. On était à la Like Zone, c'est une petite zone qu'ils ont faite la spéciale pour les étudiants. Donc voilà, on a discuté, c'était plus du relationnel qu'autre chose, mais c'était assez sympathique. Vous avez fait que parler, t'es sûr? Bah ouais, pourquoi? En fait, vous êtes vraiment mis bien à l'OL. Ah, c'est vrai qu'on a eu un peu de chance sur ce coup-là. Mais par contre, après le match, direction le Bal de Droit, où avec Niri, on a rejoint Damien et Fabien, qui étaient déjà sur place et qui prenaient déjà quelques plans vidéo. Et du coup, c'était comment le Bal de Droit? Bah, Bal du Droit, c'est le plus gros bal étudiant de France. 3000 étudiants, 11 salles différentes, une ambiance de folie. Et puis aussi, je vais pas te cacher, quelques meufs. Ouais, je crois que ça a bien plu à Niri d'ailleurs. Et pas qu'un peu, ouais. Y'a beaucoup de meufs, hein. Ah ouais, c'était pas mal quand même. Pourquoi j'ai pas été à cet événement, moi? Bah moi je sais pourquoi t'y as pas été. C'est parce que souvent t'es fatigué sur les événements, il faut tenir jusqu'à 5h du matin. Regarde moi, j'ai enchaîné tous les deux événements à la suite et j'étais au top. 5h du matin? T'es vraiment sûr de toi? Bah ouais, pourquoi? Viens. Pendant que nous on se casse le cul à filmer en soirée, regarde ce que font nos patrons. Coucou! Heureusement qu'il y a les jeunes hein, pour assurer. Ouais, je crois qu'ils nous ont bien eu. Mais bon, quelques heures après, avec Fabien, on a eu notre revanche. Le lendemain, on repartait à 5h du matin pour aller direction Paris, l'Étos. Et là où j'étais déjà. C'est à toi de nous raconter ce que c'était. L'Étos, c'est le plus grand tournoi universitaire sportif. Il y a plus de 3500 étudiants qui participent. Il y a plus de 15 sports. Ça va de la natation au ping-pong. Il y avait des pom-pom aussi, j'imagine, comme d'hab. Bien sûr, 25 groupes de pom-pom. Mal. Et du coup, avec Manu, vous êtes régalé? Du coup, c'était quand même super dur. Il y a 4 zones à couvrir pour tout filmer, à plus d'un quart d'heure chacune les zones. Du coup, c'est un peu difficile quand même. En rentrant de Lyon, on est venu vous rejoindre le dimanche pour vous aider. Ouais, enfin, vous êtes arrivé, vous avez tout de suite dormi jusqu'à 15h. D'ailleurs, je crois que Manu, il a pris une photo de vous. Justement, je vais demander à Manu ce qu'il en a pensé aussi des TOS. Eh hey, Manu, s'il te plaît, viens voir. Ouais, viens. Ouais, avec Raph, on parlait des TOS. T'en as pensé quoi des TOS, toi? C'était lourd. Et du coup, c'est quoi ton meilleur souvenir là-bas? Franchement, c'est la première fois qu'on a eu du rap à la cantine, et ça, c'était plutôt cool. Vas-y, mais un autre souvenir. Ah oui, il y avait une course. Bon, foiré, tu m'avais pas dit que c'était une color run. Bilan du week-end, 4 événements, pas beaucoup d'heures pour dormir, beaucoup de routes par contre, 4 vidéos de folie avec beaucoup de souvenirs et puis plus de 8000 étudiants rencontrés. Et surtout beaucoup de meufs. On vous met tous les liens des aftermovies qu'on a fait pour ces 4 événements dans la description de la vidéo. Et comme c'est notre première vidéo, n'hésitez pas à réagir, à commenter, à nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé aussi. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Il a changé, c'est Jean du Jardin. L'artiste. Il a mis ça pour son nez. Pour internet. Vous en avez pas. C'est quoi? Sa tête. On n'a pas vu du rap, on comprend rien ce que tu dis.
pas dit qu'il y avait de... Putain. 4000. Enfin, ça fait 7000 sur les deux événements. OEG 7, 500. Ça fait 4500. Allez, 5000. On va dire 5000 en tout. 7500. Ah ouais, pardon. 7000, ouais, 8000. En tout, il y a eu 8000 étudiants sur le week-end. Eh Manu, t'en as pensé quoi de la vidéo? C'était lourd! Abonne-toi!